ما هو التوحيد؟ Qu'est-ce que c'est que le tawhid? قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ Quelqu'un peut te demander la question suivante, peut t'interroger de la façon suivante. Est-ce que toi tu mets en pratique le tawhid? At-tawhid huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bih. Le tawhid, l'unicité, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est particulier. Min tawhid ar-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma'i was-sifat. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans la divinité et l'unicité dans les noms et les attributs. Tawhid ar-rububiyya. L'unicité dans la seigneurie, qu'est-ce que c'est? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. C'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes à lui. أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. Que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur. وهو الرازق. C'est lui qui nous donne notre subsistance. وهو الذي يدبر الأمر. C'est lui qui gère absolument tout. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة. Deuxième type de توحيد, l'unicité dans l'adoration. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. C'est unifier Allah سبحانه وتعالى dans l'adoration. On ne doit adorer qu'Allah تبارك وتعالى. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Donc troisième type de d'unicité, l'unicité dans les noms et les attributs. يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. On doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. On doit affirmer parmi ses noms et ses attributs ce que Allah et son prophète صلى الله عليه وسلم ont affirmé pour Allah تبارك وتعالى. لا يمكن أن الخالق الكامل سبحانه وتعالى يماثل المخلوق الناقص. Il est impossible que le créateur soit semblable au, à la créature imparfaite. تقول آمنت صدقت سلمت والله أعلم. Tu dois dire آمنت je crois et je crois amen tu ولا تسال لا تقول لماذا كذا ولماذا كذا فقط تقول انا مصدق مسلم بالاسماء والصفات والله اعلم. Tu dois te soumettre à ces informations concernant les noms et les attributs sans poser de questions.